Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la vidéo que vous attendez tous. C'est le retour après 20 000 km de l'huile graphitée, donc l'huile noire. Donc c'est parti. Aujourd'hui, première étape, on vidange la voiture. Ça va être très succinct. Et ensuite, vous le voyez, la machine de friction, elle est là-bas. Donc ensuite, on va récupérer un échantillon de l'huile qu'on va emmener directement sur la machine à friction. Et on va comparer les valeurs avec l'huile graphitée neuve et l'huile graphitée après 20 000 km. C'est parti. Bon les amis, on va attaquer donc la vidange. Pour ça, on va former un petit peu Coralie. On va lui mettre les mains un petit peu dans la mécanique. Donc Coralie, pour ceux qui la connaissent pas, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Coralie, je suis arrivée chez GLB il y a environ un mois et je m'épanouis totalement. Donc voilà. Voilà, donc là on va lui mettre un petit peu les mains dans la mécanique parce que rien de mieux que la mécanique pour pouvoir comprendre et répondre aux clients. Donc aujourd'hui, on va commencer soft, la vidange. Donc moi maintenant, j'ai l'habitude d'en faire, hein. J'ai la couronne, je suis le roi, donc c'est bon, maintenant je délègue. Non, blague à part. Mais voilà, ça, elle voulait participer, donc on va la faire participer, ça permet aussi de faire un petit peu d'apprentissage. Et deuxième étape, ensuite on va passer sur la machine de friction, tester après 20 000 km les capacités de l'huile au graphite. Donc c'est parti, on lève la voiture et là la partie vidange, ça va plutôt être, alors vous ça va être très succinct, mais moi je vais plutôt former Coralie un petit peu sur les éléments du moteur, les choses à savoir, etc. Plus que sur le produit, pour vous ça va être quelques belles images, quelques petits moments et on se retrouvera vraiment de manière détaillée sur la machine à friction pour vraiment vous montrer le cœur de la vidéo, c'est-à-dire les capacités de l'huile après 20 000 km. Allez, c'est parti, on attaque. Alors bien évidemment, on va remettre de l'huile 1060 graphitée hein, puisque ce moteur-là a permis de tester l'huile au graphite. Donc on va continuer comme ça, ça nous permet aussi d'avoir un retour après 50, 100, 120 000 km, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on continue de tester et de surtout de nourrir ce moteur-là. Donc le 3 litres diesel 6 cylindres à la 1060 graphitée. Mais non, ça va pas voler. T'as pris quoi? Bon, pour les besoins du tournage, on a un petit problème. La côte a déteint au soleil. Du coup, ça tombe bien, on a de la peinture époxy. Du coup, on va remettre un petit coup de peinture. Bouge pas, bouge pas. Hop. Voilà. Elle va être neuve, la côte. Regarde, neuve. Voilà, impeccable. C'est comme ça qu'on répare les bagnoles ici. Un petit coup de peinture. Regarde, hop. Faut que tu fasses le bras, Evan, c'est le pire. Voilà, parfait. T'en tournes la tête quand même. Neuve, hey, c'est vanish, avec vanish, les taches s'évanouissent. Voilà, toute neuve la côte. Tu vois Marion, tu voulais la teinter. Faut l'appeler, Van. Mais il est complètement fou, ce mec. Ben ben ouais, ça marche bien, remarque. Hein. T'as tu riais. Dans 5 minutes, c'est sec. Non. Regardez, un coup de peinture, c'est bon. Alors, les petites choses à savoir, on avait vu à l'atelier pour bien vidanger. Oui. Alors là, ils vont être contents, là. Ils vont être contents, là, parce qu'ils vont se dire, ah bah, tu vois, on te l'a dit depuis plusieurs fois, mais tu ne l'as jamais montré. Non, les gars, c'est juste que sur 20 minutes de vidéo, je peux pas vous montrer une heure et demie de travail. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est que on va vidanger le moteur. Ouais. Donc, tu retires le bouchon de vidange, tu vidanges le moteur. Okay. Ton filtre, là, il est sur la partie supérieure du moteur. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand il est placé en bas, tu n'as pas ce problème. Ouais. Donc, quand il est placé en haut, tu as les conduites d'huile du moteur qui sont remplies d'huile. D'accord. Au moment où tu vas le retirer, ça va faire un appel d'air. Du coup, tu vas avoir toutes les conduites d'huile qui vont se vider ouais. dans le carter. D'accord. Donc, l'étape, quand ton filtre est toujours au-dessus, quand il est en dessous, ce que je dis ne tient pas compte. Ok. Là, il est au-dessus. Donc, en gros, tu vas vidanger. Tu vas remettre ton bouchon, tu ouais. vas descendre la voiture, tu vas retirer ton filtre, pour tu vas refaire un appel d'air, ouais. donc de l'huile va recouler, tu revidanges une deuxième D'accord. fois et ensuite tu remontes de manière définitive. Donc tu okay. remets un nouveau joint, le filtre, etc. Ok, donc là il faut que j'enlève ça. D'ailleurs, exactement. Tiens, bah d'ailleurs... Alors, non parce que regarde BMW, ils sont hyper forts et normalement tu as une trappe ah, juste bien. Ici. Sur de la visserie. Mais là, faut que je prenne. Si t'as pas la bonne empreinte, en fait, tu vas venir croquer la matière, ouais. la matière et après tu pourras plus avoir la même force pour la desserrer. Donc là, c'est un tournevis cruciforme de belle taille qu'il faut. Ouais. Voilà. Donc là, tu maintiens une bonne pression, là, tu le desserres. Alors là, c'est pas une vis qui va se desserrer continuellement, en fait, ça va être un quart de tour. Donc là, c'est bon, à mon avis, il faut que tu exerces une pression, voilà. Donc là, par contre, je vais être obligé à mettre des gants parce que sinon, je vais me faire saccager sur les réseaux là. Ouais, il fait bosser sa salariée sans gants, machin. Oh. Et deuxièmement, c'est surtout qu'en fait, là, le moteur est chaud. Ouais. Donc, je pense pas que l'huile soit en capacité de te brûler, mais je préfère, ouais. tu vois, prendre des précautions. En fait, ouais, le but, c'est vraiment de ce que là, tu risques d'avoir de l'huile chaude qui te tombe dessus. Ok. Moi, si tu veux, je suis foutu, le cancer, je vais l'avoir. Mais bon, toi, je vais essayer de te préserver un peu parce que quand je pourrais plus faire mes vidanges. Oh, qu'est-ce que j'ai horreur de travailler avec des gants. C'est horrible, mais bon. Ah ouais, t'as pas la sensibilité. Moi, c'est ma responsabilité, en fait. La tienne, elle est sous moi. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Alors, attends, j'ai pas regardé c'est quoi. Alors ça là, maintenant, il faut que tu prennes ouais, l'embout. Donc là, il va te falloir un gros cliquet, tu vas jamais le faire à la clé plate. Que clé plate, en fait, tu vas prendre que deux pans, tu vois, pour ouais. t'expliquer un petit Donc, peu. Donc, faut que je prenne ça. Sur une clé plate, c'est ce qu'on appelle du 6 pans et du 12 pans. Bon, regarde, je vais t'expliquer tout de suite.
T'as combien de faces sur une douille comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 pans. Ok. Quand on a 12, alors j'en ai pas sous la main, mais en gros, ça fait pas des faces plates. Ouais. Ça fait plein d'œillets comme ça, ce qu'on appelle du 12 pans. D'accord. Lequel tu vas utiliser dans quel moment? Et ça, c'est du 3 pans. Ouais. Clé plate, douille 6 pans et 12 pans. Tu vas prendre la 12 pans généralement quand ta vis ça ressemble plus à rien. D'accord. Donc en gros, le 12 pans, soit ta vis elle est neuve et tu crois rien, soit quand elle sert plus à rien que le 6 pans rentre plus, tu essaies de mettre du 12 pans. Okay. Généralement, on va 90% bosser avec du 6 pans parce que même si ta tête de vis elle est croquée un peu dans les angles, ça passera quand même. Tu as des surfaces, tu as des plus grosses surfaces d'appui, donc tu vas plus facilement dévisser des vis grippées avec ça. Ok. Ça, à l'inverse, tu as 3 pans. Donc ça, malheureusement, tu vas l'utiliser partout où le cliquet ne passe pas. D'accord. Donc, dès que tu peux utiliser une douille 6 pans, tu utiliseras toujours une douille 6 pans. Ok. Les clés plates, c'est vraiment là où tu peux pas utiliser les cliquets. Parce que tu es sur 3 pans, donc il suffit que ce soit serré fort ou que ce soit un peu grippé, tu as vite fait de ripper, d'abîmer le boulon. Ok. Donc là, en l'occurrence, tu vas bosser sur du 6 pans. En fait, là, comme je t'expliquais, tu vois, des fois, tu as des vis de vidange qui vont vers le bas. Ouais. Et tu en as qui vont sur le côté. Ouais. Alors, vers le bas, t'as pas de problème, ça va juste faire pouf. Sauf que là, ça va partir comme ça. Donc là, il faut que je mette un calage ici. Alors non, BMW sont hyper intelligents, regarde ce qu'ils ont fait. Ah, donc okay. Lui, il va jeter là et elle va tomber. Ok. Donc voilà. Mais effectivement, quand t'as une vis sur le côté et que t'as rien, il faut idéalement mettre un petit carton dans ton bac. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que plus t'as d'huile, plus tu vas avoir de pression ici, plus ça va aller loin. Ok. Par contre, avant de dévisser, faut que je prenne le... Exactement. Tu te le mets dessous et là, tu développes. Donc là, l'astuce. Toute vis que tu desserres, faut jamais faire une force linéaire. C'est-à-dire que tu vas pas forcer comme ça. Ouais. Tu vas plutôt faire un choc, clac. D'accord. Dans quel sens tu serres, dans quel sens tu desserres? Alors, là, il faut que j'aille par là pour la desserrer. Alors, monte-moi sur ton cliquet. Ah non, sur ton cliquet. Fais tourner ton cliquet. Il est en serrage ou en desserrage? Là, il est en serrage. Alors, comment tu le fais? Juste avec la bague. D'accord. Enfin, là, il est comment là? Vas-y, montre. Là, il est en desserrage. Alors, en fait, tu testes pas un cliquet comme ça. Ah merde. Tu le prends comme ça. Ouais. Et c'est dans l'autre sens. Là, tu décliques et là, tu desserres. Ah, ok. Là, tu desserres. Tu fais ça. Là, tu serres. Sens horaire, sens anti-horaire. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, tu es en desserrage. Ok. Donc là, tu mets bien la douille dedans. Voilà. Et là, tu fais. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Là, maintenant, tu essaies de le jauger à la main. Si tu arrives à le desserrer à la main, pour la simple raison qu'à la main, tu vas avoir le toucher pour savoir. En fait, il ne faut pas que tu le lâches. C'est-à-dire que quand tu le desserres, il faut toujours que tu maintiennes une pression. Et après, c'est toi qui vas le retirer tout doucement pour gérer la quantité d'huile que tu peux faire tomber. Voilà, comme ça te permet de jauger en fait à quel endroit, si tu as bien mis ton truc ou pas. Alors, vas-y, on va prélever un petit échantillon. Vas-y, on va prendre un demi-litre, comme ça on aura de quoi faire nos essais. Directement à la sortie du... Alors, que l'huile soit bien noire, en l'occurrence, là, c'est tout à fait normal puisque c'est ce qu'on appelle une huile graphitée. Donc elle est noire de base. Je suis base. En train de m'en foutre partout. Eh ben écoute, moi c'est bon, tu peux contrôler le jet puis tu lâches pour que ça tombe dedans. Alors là on a récupéré notre huile. Alors ce qui va être intéressant à regarder en fait, c'est le côté pailleté qu'on va avoir dans l'huile. Chose qu'on voyait vraiment sur une huile graphitée neuve. Donc ça c'est ce qu'on va regarder parce que les paillettes qu'on voit dans l'huile, c'est les particules de graphite. Les particules de graphite sont ce qui va faire la capacité de lubrification de l'huile, la capacité exceptionnelle de lubrification de l'huile. Ensuite, on va tester du coup son pouvoir de lubrification sur les machines. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais effectivement, on voit qu'il y a encore des paillettes dans l'huile. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit moins que sur une huile neuve. Donc, ça veut bien dire que ça s'est pas mal déposé dans le moteur. Mais c'est aussi intéressant parce que ça peut montrer des bons signes sur le fait qu'elle a encore de très bons pouvoirs anti-friction. Alors regardez un petit peu dedans, quand je fais bouger l'huile, vous voyez les auréoles qui se produisent en surface. Bah ça, c'est uniquement les particules de graphite. Regardez, hop, je la fais bouger et on voit des auréoles qui se font sur la surface. Ça, c'est du graphite. Donc c'est plutôt prometteur pour le test à la friction. On va le mesurer après, on va bien voir. Mais là, en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et là, on va aller s'occuper du fil. Comme ça, on va libérer les conduites. Les conduites vont venir dégager l'huile dans le carter. Et à ce moment-là, on va faire une vidange où on va attendre que ça ne coule plus du tout. Voilà, donc là, le filtre, il se trouve où? Alors, attends. Là, j'ai le bouchon de remplissage d'huile ici. Je sais pas, tu le verrais où, toi? Peut-être qu'on ne voit pas très clair. Attends, bouge pas, je vais chercher une lumière. Ça se trouve, il est devant mes yeux, je le vois pas, le bordel. Tu vois combien de filtres, toi, là? Ça, c'est quoi pour toi? Ça ressemble à des durites de quoi qui passent, là? Des durites d'huile. Ça, c'est une durite d'huile? Non, ça, c'est
Liquide de refroidissement. Non. C'est à quelle couleur ça? C'est quelle couleur? Jaune. Ouais. C'est quoi qui est jaune? C'est quoi qui est jaune? L'essence. Pas loin, enfin... c'est quoi un moteur? C'est essence ça? Non, c'est un diesel. Ah là, bah c'est du diesel, ça c'est les conduites de ça, diesel. Donc ça c'est la pompe, pas gasoil? Non. Non. C'est mon filtre à gasoil. Exactement. Okay. En fait, les durites d'essence, tu les reconnais, elles sont comme ça. Ok. Voilà, ça a une durite comme ça. Et sur les durites de gasoil, ouais, t'as des durites transparentes comme ça. En fait, pourquoi elles sont transparentes? Juste pour détecter sur ton circuit si tu as de l'air. D'accord. Voilà. Donc, des durites transparentes comme ça, à 99%, c'est les durites de gasoil. Des durites comme ça, à 99%, c'est les durites d'essence ou de gasoil. D'accord. Donc là, tu arrives sur un filtre. Ouais. T'as un filtre. Le capteur, là... c'est quoi? C'est un capteur de présence d'eau parce que dans le gasoil, tu peux avoir de l'eau. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est ton filtre à gasoil. D'accord. Pas mal. C'est marqué quoi dessus? Bah, huile. Non, c'est marqué quoi? ATF, oil only. D'accord. Donc, oil, c'est... huile. Huile. ATF. Only, c'est tout seul. ATF, tout seul. C'est quoi comme huile? Et ATF, haute température? Non, ATF, c'est une norme d'huile pour les boîtes automatiques. Ah, ok. Ah oui, d'où le ATFX 375. Exactement. Par contre, là, tu es sur une boîte automatique, mais ça n'a rien à voir avec la boîte automatique. Ça, ouais, c'est ton circuit d'huile hydraulique pour ta direction assistée. D'accord. Voilà. Tu as une poulie ici, ouais, donc ça veut dire que c'est une pompe. D'accord. Ta boîte automatique, elle n'a pas besoin de pompe. Donc, ça veut dire que c'est forcément ta pompe de direction assistée. D'accord. Donc, ça, c'est pour la direction assistée. Ok. Tu envoies un autre ou filtre. Là-dedans. Voilà. Exactement. Donc, celui-là, par définition, c'est ton filtre à huile. D'accord. Ok. Donc, là, il va te falloir une grosse cloche ici. Vérifie si tu desserres ou tu serres, parce que là, ça pardonne pas des clés comme alors, ça. Alors. Donc là, tu fais quoi? Tu serres ou tu desserres? Là, je desserre. Exactement. Alors là, tu peux desserrer. Ouais. En fait, là, c'est une cloche en plastique, ouais, qui vient enfermer un filtre papier. D'accord. Sur ta cloche en plastique, tu vas avoir un joint. Okay. Le moment où le joint doit sortir ta cloche, ton autre cloche, ta demi-cloche en acier, ouais, tu vas avoir une certaine résistance. D'accord. Et après, ça va se desserrer à la main, c'est que du pas de vis en main. Donc là, tant que tu as une petite résistance, donc le joint, tu le fais à la clé. Ok. Et après, tu le fais à la main, comme ça, tu peux vite le retourner pour éviter de foutre de l'huile partout. Est-ce qu'on fait comme tout à l'heure ou vraiment un gros. Non, là, t'as non, pas droit. Là, t'es sur du plastique. Là, faut bien faire attention au niveau des matériaux, c'est que là, tu es sur une cloche plastique. Ouais. Donc le plastique, faut pas le brutaliser, faut pas le serrer trop fort, faut pas. Voilà. D'accord. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas terminer de dévisser dès que tu vois que en fait, ton pas de vis, il saute. Ouais. En fait, je te l'avais expliqué autrefois lors de l'atelier, en fait, pour pas te tromper sur ton filetage, tu vas tourner. Tu ouais, vas tourner, tu vas tourner. Et à un moment, tu vas entendre un toc. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tes deux amorçages de filetage se sont chevauchés. D'accord. À ce moment-là, c'est-à-dire que tu as terminé tes séries. Voilà. Okay. Et ça peut être pareil pour être sûr de bien serrer droit. Tu fais ça et dès que tu as le chevauchement, ouais, tu te mets à visser. Okay. Donc là, tu dévisses. Après, tu retournes, tu mets là-dessus pour goûter, puis tu mets dans le. Et ça te permettra, cette technique-là, de jamais visser une vis de travers. Okay. Et pour le desserrage, tu sais à quel moment tu peux le retirer. Ah, c'est bon. Tu l'as entendu, tu vois, ouais, c'est net. Voilà. Et là, tu mets ça dans le bac. Et donc, tu vois, ici, en fait, tu as une rétention d'huile avec des conduites. Ouais. Ces conduites-là, elles ne se vident pas tant que tu ne retires pas le filtre. D'accord. En fait, là, ça a fait un appel d'air parce que toi, tu as ouais, l'effet ventouse. C'est ça. Donc, tes conduites se sont vidées. Ouais. Et tu vois que quand on va venir retirer le bouchon de vidange une deuxième fois, tu as de l'huile qui va couler en quantité. D'accord, ok. Voilà, tu vois. Okay. On avait un tout petit filet et là, on va avoir 200-300 ml qui vont couler. D'accord. Donc là, maintenant, on attend que ça coule plus du tout, puis on okay, met en huile. Voilà. Donc là, tu vois, c'est ton joint, on voit bien, ça descend, ouais, ça descend. Dès que tu vas arriver au contact, tu vas le sentir, ça va être dur et là, on ne force pas, c'est du plastique. Voilà. Okay. Donc là, maintenant. On va remettre en huile. Tu mets quoi comme huile dedans? Là, on met de la 1060 graphite. D'accord. Et donc, c'est quoi la technologie? La technologie de l'huile, c'est quoi? La blanche, elle est à base de quoi? Céramique. La noire, elle est à base graphite, de? Graphène, exactement. Graphite, ouais, graphène. Et donc, c'est un lubrifiant qu'on appelle comment? Solide. Ah oui, c'est une hyperlubrification oui, à base solide. Solide ouais. C'est pour ça qu'on ne met pas de MCR, de. Exactement, c'est pour ça qu'on ne le couple etc. pas avec des lubrifiants liquides. Okay. Et donc, la particularité, c'est évident là, c'est qu'il faut toujours les secouer. D'accord. Sinon, en fait, vu qu'ils sont stockés, ouais, tu peux avoir une. Alors, tout non, mais tu vas avoir une certaine décantation. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas bénéficier que de 50% des centifrictions de l'huile. D'accord. Donc, chaque bidon, on les secoue. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas vendus en 5 litres. Ouais. Et ni en 20 litres, etc. Parce que, par exemple, un garage, il y aura un fût de 200 litres comme on a pour les huiles standards. Bah, les graphites seraient au fond. D'accord. Donc, les derniers, ils auraient une huile de malade. Et ouais, les premiers, ils auraient une huile pas à la hauteur du prix. Ok, quoi, d'accord. Donc, toujours secouer les bidons avant de les mettre. Et là, c'est le moment où tu fais « Il est des nôtres, il a bu le flacon comme les autres. » Perso, j'aimerais pas en boire. Je suis pas persuadé que ce soit très bon. Voilà, donc là, on part pour un bon 6 litres. On vérifie le niveau et après, on termine le niveau. On va vous passer ça, les amis. Donc, quand le filtre est rempli et tout est OK, bah, tu colles la petite étiquette « Metal Garage ».
Donc là, on a pas en vente sur le site www.michaelgarage.fr. Impeccable. Donc maintenant, on ferme le capot et c'est fini. Tac. Et bien les amis, maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va s'attaquer au test de friction. Bon, donc les amis, c'est parti, on va s'attaquer au test de friction, donc après 20 000 km. Donc pour rappel, hein, ça c'est la petite feuille avec les résultats qui sont d'ailleurs retrouvables directement dans les vidéos. Sur l'huile au graphite, on était en blocage à 6 galets avec 0,06 mm d'usure. Et sur le test d'usure, donc avec 2 galets pendant 2 minutes, on était à 0,03 mm d'usure. Donc ça, c'est inscrit dessus, c'est ma feuille de référence. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme à chaque fois, je vais venir vous mesurer. Hop, je talonne mon pied à coulisse, 0. Je viens mesurer ma bille. Donc là, j'ai ma bille qui est à 13,43. Donc généralement, c'est les billes qui sont arrivées à 13,44, mais sur certaines, on arrive à trouver 13,43. Donc voilà, je la mesure toujours avant, 13,43. Donc ce sera notre valeur de référence pour nos essais. Donc maintenant, je mets ma bille sur l'appareil. Je vais vous laisser constater le fait qu'il n'y a aucune surface de friction dessus. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de surface de friction. C'est une bille neuve. Donc maintenant, on va venir préparer nos surfaces. Donc comme à chaque fois, dans tous les tests du papier grain 120, on vient usiner la cage pour créer des rayures, hein, les mêmes sillons. Et ensuite, on vient tester. Donc là, deux tests. Le test de blocage, on va mettre un certain nombre de galets jusqu'à ce que ça bloque. Au moment où ça bloque, on coupe, on prend la mesure et on voit combien d'usure on a sur la bille. On compare avec la même huile quand elle est neuve. On peut également faire le deuxième test, c'est le test d'usure, c'est-à-dire qu'on va faire tourner à 2 galets pendant 2 minutes et on va tout simplement mesurer l'usure qu'il y a eu pendant ces 2 minutes. Toujours avec la même préparation, c'est-à-dire qu'on va venir préparer la surface, dégraisser la bille, changer la surface de la bille, etc. etc. pour voir exactement les mêmes conditions. Bien évidemment, l'huile sera chauffée à une température de 90 degrés pour simuler tout simplement un fonctionnement dans un moteur. Préparer la surface d'appui, donc je dégraisse et je ponce. Tu peux tourner pour filmer, si tu veux. Ça donne du mouvement. Donc là, hop, je prends du papier 120 et je prépare ma surface. Voilà, donc je redégraisse, comme ça c'est parfait. Toc, de ce côté-là, c'est OK. Donc là, je prends mon huile qu'on a récupérée dans la première partie de la vidéo. Je la mélange puisque c'est une huile au graphite et que le graphite a toujours besoin d'être mélangé pour être efficace et surtout en mouvement dans l'huile. Maintenant, on va le monter à 90 degrés et on va pouvoir réaliser notre test de friction. Donc là, on constate que l'huile est à température ambiante et on chauffe. Donc là, on va se situer entre 80 et 90 degrés. Voilà, hop. Notre huile est à température moteur. Là, on va faire le test de blocage. Donc, je place ma bille dessus. Faites le tour pour bien voir. Hop, et on place les galets. 1, 2, 3, 4, 5. On va la refaire parce que ça a bloqué au moment où j'ai mis le sixième galet, donc entre 5 et 6 galets. Bon, prenons la base, la moins. On va dire que ça a bloqué à 5 galets. Donc ce qui va être intéressant, c'est de venir mesurer à 5 galets l'usure qu'on a maintenant. Il y a 5 galets et demi. Donc là, on voit bien ici qu'on a une trace de friction. Donc on a bien une usure qui s'est faite. Donc on va retirer la bille. Vous voyez mon pied à coulisse qui est à 0. Et je vais venir mesurer. Je suis à 13,38. Donc on a 0,5 mm d'usure. Et quand on peut regarder sur la fiche, donc avec de l'huile neuve, on était à 6 galets. Donc effectivement, on a perdu un galet, un demi-galet, puisque ça a bloqué au moment où j'ai posé le sixième. On va dire 5,5. Donc on a perdu un petit peu. Un demi-galet. Et par contre, on avait une usure qui était de 0,06 et là, on a une usure qui est de 0,05. Comme je vous le dis à chaque fois, le centième de millimètre, on peut considérer que c'est
quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur. C'est-à-dire que ça peut être mon pied à coulisse, ça peut être un léger film d'huile qu'il peut y avoir sur ma bille. Donc, pour moi, le résultat est équivalent. Donc, on a une légère baisse au bout de 20 000 km puisqu'on a un galet en moins. Par contre, on voit qu'en termes d'usure, on est similaire. Donc, très clairement, le test de blocage, l'huile n'a pas perdu de ses propriétés ou du moins pas assez pour pouvoir le mesurer, 20 000 km. Donc, maintenant, on va faire le deuxième test qui est un test d'usure où on va mettre, donc on va tout préparer. On va mettre deux galets pendant 2 minutes, le tout chronométré avec toujours l'huile rechauffée à 90 degrés et les surfaces préparées. Et avec de l'huile neuve, on était censé trouver 0,03, soit 3 centièmes d'usure sur notre bille. Donc c'est parti, on reprépare et on essaye. Première étape, je redégraisse ma bille pour reprendre exactement les conditions. Je repositionne ma bille sur une surface sans trace de friction. Je vais vous faire constater. Aucune trace de friction sur la partie qu'on va utiliser. Maintenant, on retire ça. Alors là, il faut faire attention parce que c'est un peu plus chaud. Voilà. On redégraisse également. Et on vient repréparer la surface toujours avec notre grain 120. Donc là, le but de ce test, c'est vraiment de mesurer sur une huile de qualité comme l'huile au graphite de comment elle va réagir dans le temps. Est-ce qu'elle va perdre de ses propriétés? Est-ce qu'elle va devenir ridicule? Est-ce qu'à l'inverse, elle va devenir bien? Combien elle va perdre? Voilà, ça sert clairement à ça. Après, beaucoup de kilomètres dans un moteur et toutes les contraintes liées au moteur, de savoir un petit peu le vieillissement de l'huile. Voilà, donc là, on redégraisse. On replace l'huile, on la chauffe. Voilà. Hop. À ce moment-là, je vais mettre le chronomètre en route. Et au moment où je vais poser mes galets, je vais venir mettre le chronomètre. Voilà. 1 et 2. Et là, on laisse tourner pendant 2 minutes. Ah, donc là, on se prépare à couper. Voilà. Donc maintenant, même topo. On défait. On vient mesurer notre bille. Alors là, je pense que les résultats vont être très 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 bons. Vous voyez là, c'est quasi invisible de voir la pointe. La caméra, je ne suis pas sûr que vous allez la voir. C'est juste au bout de mon doigt. Donc là, on va mesurer ça au pied à coulisse. Tac. Alors. Il ne faut pas que je perde visuellement. Chose. C'est du pouillème. Voilà, je suis dessus. 13,40. Donc là, on a 3 centièmes d'usure. Alors, on est à combien sur de l'huile neuve? Je reprends toujours ma petite feuille qui paye pas de mine mais qui me permet d'être. Un petit dénoir, on était à 0,03. Donc, on n'a pas de détérioration de l'huile au test d'usure. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, que l'huile graphitée, donc l'huile Xenom graphitée, après 20 000 km, ne perd quasi pas de ses propriétés lubrifiantes. C'est-à-dire qu'on a 5 galets au lieu de 6 galets au blocage et on a 5 centièmes d'usure au lieu de 6 centièmes d'usure sur le test de blocage. Donc, on est quasi identique, on a perdu un tout petit peu. Donc, le test de blocage, je rappelle, simule tout simplement un serrage moteur. Et le test d'usure simule les conditions réelles de friction dans un moteur. On était à 0,03 mm, soit 3 centièmes d'usure sur 2 minutes avec 2 galets. Et après 20 000 km, on est toujours à 3 centièmes d'usure, 2 minutes avec 2 galets. Donc, on peut clairement conclure que
l'huile graphitée n'a pas perdu de ses propriétés après 20 000 km. Alors, je ne vous recommande pas, parce qu'elle ne perd pas de ses propriétés, de faire vos vidanges plus tard, parce qu'il y aura toujours une détérioration de l'huile, elle va s'oxyder, elle va perdre également un petit peu de sa viscosité, le grade. Malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir mesurer un grade. Une viscosité, on peut la mesurer à l'œil, en fait, on va la mettre sur des planches, on va voir la viscosité. Mais soyons honnêtes, je ne suis pas équipé assez professionnellement pour pouvoir vous dire, voilà, le grade est passé de tel grade à tel grade, donc ça, je ne peux pas vous le tester. Donc, bien évidemment, on a toujours une détérioration. Par contre, en termes de qualité de lubrification, on peut clairement constater qu'elle ne s'est pas détériorée après 20 000 km. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, accompagnée de Coralie. J'espère également qu'on a pu vous faire des tests concrets et totalement objectifs sur l'hylographite après 20 000 km sur la BMW de maman. Bien évidemment, les amis, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, les amis, à très bientôt. Ciao.